On va maintenant procéder à la démonstration du collage. Alors, j'ai placé les pièces de bois. Si on regarde attentivement, on peut voir que j'ai placé la pièce A, A. On va coller les deux pièces ensemble, B, B, puis ensuite C, C. Alors, ce qu'on va faire, j'ai tout préparé mes serres jointes. La bonne ouverture, je l'ai laissé un petit peu plus large. J'ai placé des blocs de béton de chaque côté pour venir placer de la pesanteur, pour faire sûr qu'on essaie de garder les pièces de bois le plus droites possible. Puis, j'ai apporté aussi un bloc de bois puis un marteau, parce que des fois ça va arriver que c'est pas tout à fait égal. Alors ce que je fais, pour ma pièce de bois, je colle, je ma vis pour pas que ça dépasse, puis ensuite de ça, on fait un petit zigzag. On essaie de rester la colle au milieu autant que possible, parce que lorsqu'on va appuyer avec les serres joints, on va voir que la colle va sortir sur les côtés. Pour gaspiller la colle, j'ai placé ma vis de nouveau. Est-ce que ça tient? Une pièce de bois, je vais la placer dessus, et ensuite ça, je vais glisser ici, puis là je vais répéter la même chose avec la prochaine pièce de bois qui serait B, puis en même temps que je fais ça, je pourrais faire la même chose avec A, faire les deux en même temps. J'essaie de rester loin des côtés pour pas que ça dépasse trop. Puis là, je vais revenir ici. Très important, quand on finit, on pèse le bouton ici pour faire sûr qu'on ne le gaspille pas. Souvent, je vais le laisser vers le bas, puis ensuite de ça, je vais venir prendre ma vis. Et ça évite qu'il y ait du gaspillage. Je vais venir placer ma vis de nouveau. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais coller ma pièce A avec ma pièce A. Je vais laisser ici. Je vais la positionner dans mes serres joints. Prendre ma pièce B. Là, je vais venir coller la pièce B avec la pièce B. Je la repositionne ici. Et là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de les placer à peu près égal. Mes serres joints sont placés à environ 2 pouces du bout ici. OK? Puis là, pour faire sûr que ça ne bouge pas, j'ai d'autres serres joints ici. Fait que on vient les placer ici. On peut appuyer légèrement dessus, juste pour qu'il y ait une légère tension. On va répéter ça 8 fois. On ne les met pas trop serrés pour tout de suite. Avant qu'il y ait trop de tension, je vais venir placer mes blocs pour mettre ma pesanteur. 4 blocs devraient être suffisants. Je vais mettre un de chaque bout. Ça, ça aide à garder que toutes les pièces de bois sont assez bien alignées. Donc là, ce qu'il me reste à faire, tout simplement,
Il s'agit de serrer les demi-tours sur chaque serre-joint. On peut remarquer que j'ai placé les serre-joints alternés de haut en bas, justement pour éviter que si tout, on met toute la pression du bas, ça va faire courber la pièce de bois vers le haut. Alors dans ce cas-ci, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le marteau puis le bloc. Les pièces de bois avec les blocs de béton étaient quand même assez droites. Là, il s'agirait de laisser sécher 24 heures. Puis par la suite, là, il restera à faire l'étape de la raboteuse, la poseuse à tambour. Puis ensuite, on se reprend à faire le coupage pour faire le cadre.